Sans agressivité. Rien. Dans les Écritures, on interdit aux femmes de devenir prêtres ou à deux hommes de s'aimer. Rien. On a quand même le droit d'exiger que la question soit posée, non? Vous allez commencer par la boucler. C'est dans votre intérêt, Dolson. Sinon, vous serez jamais prêtre, ni même diacre. Je me fais bien comprendre? Je vous écoute. Mon père. Mon père. Ça commence par quoi, déjà? Par mes frères, toujours. Non, le début. Ah, Jésus, vous connaissez? Pourquoi, dans la société du 21e siècle, refuse-t-on encore aux femmes l'accès au sacerdoce? Vous faites des sermons pour être aimé, vous? C'est votre seule raison? Oh, j'aime qu'on m'aime, monsieur Dolson. L'affection de mes paroissiens est un réconfort auquel je tiens. Je ne suis pas prêt d'y renoncer. On vous aimerait tout autant si vous étiez moins aimable et plus sobre. Pardon, mon père. Bien. Oui, mais comment je pourrais être inspiré si je dois guetter les tousseurs et les micelles qui tombent? Inspiré? Inspiré par quoi? Par l'Esprit Saint. Dolson! Je vous parle de choses sérieuses, concrètes. Je suis venu vers vous comme sauraient le faire tant de femmes de bonne volonté. Si l'Église n'était plus seulement l'Église des prêtres, mais bien l'Église de Dieu. Et que ces femmes puissent elles aussi apporter à chacun de vous, avec l'aide de l'Eucharistie, leur immense capacité d'amour et de charité. L'Église a besoin de ces fous sans prix qui surgissent de temps à autre, comme vous. Alors je vous en supplie, faites ce que je vous dis. Montez à Burke. Bénissez-moi, mon père. Monseigneur.